وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ابن الجوزي رحمه الله il cite les causes qui mènent une personne à l'orgueil. Il a dit, et c'est deux causes essentielles qui mènent à l'orgueil. Premièrement, c'est qu'il voit qu'il a une supériorité sur les autres dans le dunya, dans les choses matérielles, ou dans la force, ou dans la santé. Deuxième chose, c'est qu'il considère qu'il a une supériorité sur les autres dans le din, dans la science, ou dans l'adoration, ou dans les efforts pour la religion. Donc les deux voies qui peuvent amener à l'orgueil, c'est qu'il se sente supérieur dans l'un ou l'autre, ou des fois, parfois dans les deux. Et une personne qui entre dans la science avec une mauvaise intention, cette science, elle peut lui rajouter que de l'égarement. Et ce sera un témoin contre lui le jour du jugement dernier. L'intention pour laquelle on apprend la science religieuse, c'est pour obéir à Allah avant tout, car Allah nous a ordonné « Fa'lam annahu la ilaha illallah ». Sache que le nul n'est digne d'être adoré sauf Allah. Sache, c'est-à-dire apprends. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.